de poser les questions que vous souhaitez avoir découvert ce matin, leur sexe. Mais moi, je vais poser la première question, celle qui consiste à savoir comment vous avez, ou pourquoi vous avez adapté cette incroyable histoire. Et j'ai presque tendance à dire pourquoi on a attendu aussi longtemps, effectivement, pour la découvrir sur un grand écran. We began this film when the presidential election was happening in America between Hillary Clinton and, it was before Donald Trump was the candidate, but we knew it would be an election between a man and a woman. Nous avons commencé à travailler sur ce film au moment de la campagne présidentielle aux États-Unis, c'était avant que Donald Trump soit véritablement dans la course, mais nous savons qu'Hillary Clinton était elle dans la course, était la candidate sérieuse. We actually thought that Hillary Clinton was going to win and that we would get to show the film in the White House. It would be a celebration, but no, it's a funeral. On pensait, nous pensions tous que Hillary Clinton allait emporter l'élection et qu'on allait pouvoir présenter le film à la Maison Blanche, que ce serait une belle fête, une célébration. En fait, c'était plutôt comme un enterrement. Alors, vous voulez d'abord, c'est moi qui vais venir avec le micro parce qu'ils ont pris. J'arrive. Merci. Je vais poser ma question en français, excusez-moi. Merci pour ce film qui est incroyable. Et avez-vous déjà considéré que juste avec ce film, vous nous avez probablement invité des milliers, voire des générations de gros blaireaux? La fin des questions, vous invitez des générations de gros blaireaux. De gros blaireaux. Et à faire quoi? Juste éviter d'avoir ces générations. A big responsibility, but I hope so. If, you know, if everybody gets their friends to go see the movie, and especially the younger generation, but I think it's the old pigs that I'm worried about. that are running things, I think. Yeah. No, it's baseball pigs. I hope so. Donc, en deux mots, j'espère bien, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer après ce film. Tout ce qu'on peut voir, c'est si un maximum de gens voient ce film, ça pourrait leur donner de bonnes idées. Je crois qu'on pourrait effectivement éviter la jeune génération de blaireaux, mais par plus, c'est plutôt les vieux qui me préoccupent. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film, c'était vraiment super. Je me demandais la relation entre Marilyn et entre Billie Jean. Comment elle est représentée dans le film, si c'est très proche de la réalité, et aussi, si c'est le cas, où est-ce que vous avez trouvé les détails, est-ce que ça vient dans le livre, si c'est elle qui a décrit ça en interview ou autre. Merci beaucoup. Actually, the relationship between Billie Jean and Marilyn, there was the least amount of information about that, but she was her hairdresser, and they fell in love, and they were together for about 8 years. We just told the story of the beginning of their relationship, but Marilyn was her first significant relationship with a woman while she was married, and she stayed married longer than she was with Marilyn. She stayed married for another 13 years after this movie took place in 1973. De la relation avec Marilyn, effectivement, c'était l'aspect de la recherche où justement nous disposons du moins, nous avons moins d'informations. Alors effectivement, on sait par notre recherche que c'était, Marilyn était effectivement la coiffeuse de Billie Jean à l'époque, et c'était sa première relation amoureuse qui a duré à peu près 8 ans. Mais bon, c'est ce qu'on nous présente dans le film, que le tout début, bien entendu, de cette relation qui se découvrait. C'était, disons, la première relation significative pendant que Billie Jean était encore mariée. Et d'ailleurs, il faut souligner que cette relation a duré moins longtemps que le mariage, puisque Billie Jean est restée mariée encore 13 ans à son conjoint, alors que la relation n'avait duré que 8 ans. There is very little known about their relationship, but it's the reason we wanted to make this movie, is to tell this love story within the tennis world.
effectivement, on ne sait pas, cette histoire était peu connue, c'était une des raisons justement qui nous a poussé à faire ce film, raconter une histoire d'amour assez exceptionnelle dans le monde du tennis. Bonsoir. Alors, tout d'abord, le film est super. Merci pour votre présence et votre communication. J'aurais voulu savoir si le choix de Emma Stone et Steve Carell, c'était votre premier choix, c'est ce qui vous est venu à l'esprit tout de suite quand vous avez décidé d'adapter l'histoire. Et quels sont les challenges que vous avez dû surpasser changer par rapport à Little Miss Sunshine, par exemple? We, after Little Miss Sunshine, we wanted to work with Steve again, and this seemed like the perfect project. And we had talked with Emma for many years about working on something. So the challenge was that Emma was not a tennis player. Steve, he knew tennis, but not Emma. Yeah, but Emma was incredible, and working out, she worked out for 4 months and gained 15 pounds and of muscle, and so she worked very hard to look like an athlete, and she learned a little bit of tennis, but we had tennis doubles to allow her to play. Alors effectivement, c'est quand même une grosse transition depuis le Miss Sunshine, mais on s'était dit que justement, ce serait l'occasion rêvée, ce film, cette histoire, de retravailler avec Steve Carell, qui était absolument parfait, nous a semblé, pour ce rôle, mais également pour le film. Donc, effectivement, on avait les parfaits acteurs, ça nous a semblé, et puis la raison de le mettre à l'écran. Et puis, Emma, bon, vous travaillez avec elle depuis longtemps, nombreuses conversations là-dessus, et ça nous paraissait effectivement là encore le moment de travailler avec elle sur ce projet. Alors vous parlez de challenge, là où c'était vraiment un travail, et une difficulté peut-être, c'est que Emma ne jouait pas du tout au tennis. Contrairement à ce type qui s'y entendait un petit peu. Donc là, il y avait un petit problème qu'il a fallu surmonter. Cela étant, et là il faut le reconnaître, Emma a travaillé pendant 4 mois, elle a travaillé dur, elle s'est formée, elle a gagné 8 kilos à peu près en muscle. Enfin, elle a commencé à ressembler à une tenniswoman. Mais pour les vraies scènes de tennis à propos de Marine, on a quand même pris une vidéo. Hi. First, I want to thank you for this movie. I don't know if I'm speaking for myself, but I've been waiting for a long time for this story to be told. I wanted to know, with what's happening in the White House right now and everything that's been coming out about all these important men, for example, what's happening with Harvey Weinstein this past week, do you think that this movie will take on greater significance? On va juste traduire la question. Oui, la question était de savoir, d'abord, un grand merci pour ce film, et on pense que d'autres l'ont également apprécié. La question, c'est l'actualité de ce film, avec tout ce qui se passe actuellement à la Maison Blanche, les agissements peut-être un peu douteux, également ceux de certaines personnalités importantes, on pense notamment à Harvey Weinstein. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, ce film pourrait gagner encore plus d'importance vu la situation? Interesting. Everybody knows about Harvey Weinstein here. It's amazing. I think part of the reason we wanted to do this film was because we think it's always going to be, it's a significant story, and it probably will always be important to be reminded of that these things never really change permanently. It's about continuing to move things forward, hopefully, and never think that it's done. We finished the movie before the election, and we had a preview screening, and the score was very good. And then we screened it after the election, after Trump won, and the score was much higher. It was the same movie. Alors, c'est marrant, tout le monde connaît l'histoire de Harvey Weinstein ici, c'est assez remarquable, et puis l'histoire américaine aussi. Diffusé en France. Pour répondre directement à la question, la raison pour laquelle on a essayé de faire ce film, c'est qu'il nous semble que le thème qui est évoqué restera toujours d'actualité. Et nous paraît ça important de toujours se rappeler, avoir présent l'esprit que les choses ne changent jamais fondamentalement. Il y a toujours un
on essaie de les faire avancer, on essaie de les faire bouger, mais le travail n'est jamais fini, les problèmes restent toujours, toujours d'actualité. Alors pour continuer, Jonathan précise que le film a été achevé avant l'élection américaine, avant l'élection de Donald Trump, et on a organisé une projection avec quelle était la réaction du public, elle était plutôt bonne. Et après l'élection, quand on a refait la même chose, une autre projection, la réaction du public est encore meilleure. Bonsoir. Merci pour ce super film, d'abord, en même temps. Et j'aimerais savoir, au cinéma aux États-Unis, bon, vous êtes américain, s'il y a toujours des problèmes d'égalité entre hommes et femmes. Et probablement, dans ce film-là, vu qu'il y a une actrice, un acteur, une réalisatrice, un réalisateur, est-ce que vous n'avez pas payé pareil? Est-ce que vous avez payé les acteurs de la même façon, sinon plus pour Emma Stone qui a le rôle principal? It still is an issue in our industry. We hired a lot of women for the project. The sound recorder, the editor, the designer, many, many people. Costume designer, yeah. Production designer. I mean, we usually hire a lot of women because they're really good. but I think our industry isn't unique. I think it's true in sports and politics and business, but it's really nice to see how many men are here, so I think it's just as important for men to see this film, and young men, because you guys, you can change it. Alors, la question de justement sur la première Emma Stone et Steve Carell ont tous les deux accepté, disons, une baisse par rapport au cachet qu'ils auraient normalement auquel ils auraient pu prétendre. Et au bout du compte, effectivement, l'un et l'autre ont reçu exactement le même cachet. Et vous avez raison de souligner qu'Emma Stone, d'abord, a été oscarisée et en plus passe plus de temps à l'écran pour avoir davantage que Steve. Moyennant en quoi, ils ont touché la même chose. Et puis, alors, pour nous, les réalisateurs, les réalisatrices et les réalisateurs, nous avons autant de l'un que l'autre en film, et nous avons touché la même chose. Cela étant, ce n'est pas vraiment une blague, c'est vrai qu'au cinéma, dans le monde du cinéma, le problème reste l'actualité. Pour nous, on a mis un point d'honneur à recruter beaucoup de femmes, mais à tous les niveaux, la costumière, la chef décoratrice, la monteuse, le chef monteur. Enfin, beaucoup de femmes passent pas pour donner un avantage aux femmes, mais parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes professionnelles qui sont excellentes dans ce qu'elles font, c'est pour ça que nous les avons recrutées. Pour autant, le problème que vous soulevez, c'est vrai qu'on rencontre dans le monde du cinéma, mais c'est pas que dans le monde du cinéma, c'est pas tout pareil. Dans le sport, dans la politique, dans les affaires, il y a toujours ce problème d'inégalité plus ou moins frappante entre le traitement des hommes et des femmes. Et alors, pour autant, justement, nous nous félicitons d'avoir autant d'hommes dans la salle, et ce qui montre que c'est un film aussi important pour les hommes que pour les femmes, et c'est tout aussi important que ce soit les hommes jeunes qui voient ce film, parce que ce sont eux qui peuvent faire changer les choses. Bonsoir, merci aussi pour le film. Alors moi, la question va tourner autour du monde du sport, et je voulais savoir pourquoi avoir choisi ce sujet qui peut paraître un peu ludique pour aborder la question du droit des femmes. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et voilà. Circus kind of atmosphere was exactly the way it was in 1973, and
the commentary is actually from the event. And you know, Bobby wearing the sugar daddy jacket, all of that is just based on the real event. So, you know, and Bobby, all of the things that Bobby did, playing with the sheep and the frying pan and the dogs, that's just who he was. He, and I think he was an entertainer. Not so much, you know, he was probably a chauvinist too, but he was really more of a showman than anything and just liked to draw attention to himself. So we thought that that was an important part of his character and part of the story, that it was just, you know, actually just true to the time, to the story. But you bring up a good point that this is a very serious topic, and more and more today we are treating it as if it's a sporting event. And politics. Not politics, you know, that we're not... We treat politics as if it's entertainment. We kind of saw this match in some ways as a precursor to the way that we treat politics now, that it's more of entertainment than about the actual issues. Ce que vous avez la question que vous posez, c'est juste qu'il faut savoir que ça se passe dans le monde du sport et c'est le tennis en particulier, et ça nous a évidemment amené à en parler, mais c'était pas un choix, disons, de construction, c'était la réalité pure et simple. Si vous regardez ce match de tennis qui a été disputé à l'époque, tous les événements qui les entouraient, c'est absolument authentique. En fait, on n'a rien, on n'a pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. On avait sur un plateau d'argent, en quelque sorte, cette plateforme pour présenter cette histoire dans le contexte du tennis. On n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin pour voir qu'il y avait, et donc les choses sont effectivement déroulées de cette façon. Vous aviez l'atmosphère de Barnum absolument incroyable. C'était exactement de cette façon que les choses se sont passées donc en 1973. Enfin, c'était assez absurde, assez extraordinaire. Il faut voir que, par exemple, les commentaires sportifs, les journalistes télévisions étaient repris tels quels, on n'a rien inventé. Et tout ce que faisait Bobby dans le personnage, sur le court de tennis, avec ce parrainage de Sugar Daddy, c'est absolument authentique, là encore, ce sont des événements complètement véridiques. Alors, et c'est vrai que le vrai Bobby Bates avait fait tous ces numéros avec les chèvres, c'était des moutons, je crois, la poêle à frire, les chiens jouaient au tennis en même temps. Enfin, c'était du divertissement, c'était un divertisseur, c'était un amuseur plus que... il était certes un peu phallocrate sur les bords, mais surtout c'était un chemin, en fait. C'était quelqu'un qui voulait amuser son monde. C'est ce qui ressort en fait de ce film et de la réalité. Enfin, les personnages sont absolument authentiques par rapport à l'histoire. Mais Jonathan précise quand même, vous avez raison de souligner que dans un cadre plutôt ludique, on a affaire à une histoire quand même sérieuse, un thème assez important. Et il faut voir que la façon dont ce thème était traité, enfin, l'égalité homme-femme, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a été ramenée finalement à une espèce de caricature de compétition sportive, hein, c'est un événement sportif qui était tourné en forme de divertissement, et toutes les questions d'actualité, enfin, toutes les questions sociétales, toutes les questions politiques, pour bien dire le mot, sont en fait de nos jours traitées sous la forme de divertissement, de spectacle, d'événements sportifs, un match qui pourrait être complètement absurde. Et justement, il nous a semblé, à travers ce film, que ce match de tennis dont nous reconstituons l'histoire était en quelque sorte un précurseur de ce qu'allait devenir aujourd'hui, et même déjà un petit peu avant, tout débat politique qui a été réduit maintenant à une simple forme de spectacle et de divertissement. It sounds better when you say it. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce film, comme tous les gens dans cette salle, je pense. Vous avez fait un travail absolument formidable avec vos acteurs, et pas seulement Stone et Carrel. Et j'ai une petite question d'ordre technique, une question qui m'a un peu frustrée. Au propos d'une scène que j'aurais pas seulement voulu voir, mais vivre, c'est le match final. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le filmer de manière totalement télévisuelle? Oh.
Well, we thought of the film as happening in private moments and public moments. And we thought that before the match, it's about the private lives. And then when Billie Jean comes out of the tunnel on the being carried by men, it becomes a public spectacle. And we wanted to remind viewers that this is what 90 million people were seeing. And so we covered it the way television covered it. And it also allowed us to use the real broadcasters and real footage from the match so that it becomes one broadcast. So we felt like it was important to, it's like, you know, it all happened, all the dramas happened on the public stage, and 90 million people were watching these two characters that we've gotten to know. Rather than staying kind of close to the characters, we felt it was important to kind of step back and see it from the public view. And then we return to the private when we arrive at her dressing room and she's crying. Effectivement, ça aurait été plus spectaculaire de voir le match grandeur nature avec des moyens plus importants. Et en fait, il faut bien comprendre que dans le film, il y a toujours deux regards qui sont portés. Un sur la vie privée, le regard privé sur les personnages. Et ensuite, la vision qu'a le public de ces deux mêmes personnages. Alors, avant le match, donc, on voit ce qui se passe dans leur vie personnelle, tous leurs problèmes, toutes les histoires qu'ils vivent. Et puis, au moment où Billie Jean sort de ce tunnel porté sur cette espèce de trône géant, là, on voit ce que le public, à travers les yeux du public, ce que 90 millions de téléspectateurs ont pu voir à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est la raison pour laquelle on a voulu vraiment s'attacher à la réalité de ce que les téléspectateurs ont vu à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on a repris également les réels commentateurs sportifs qui se sont exprimés à l'époque. On a pris d'ailleurs des moments d'époque, on a repris des extraits de ce match tel qu'il a été diffusé, parce que c'était comme ça que les gens ont pu voir et ont découvert le match de manière, c'était dans la peau du public américain de l'époque. Et vous voyez effectivement se dérouler ça, le match de cette façon, donc sur un petit écran, il faut le reconnaître, effectivement, mais c'était la réalité de ce qui était de ce qui était vécu. Alors, une fois on voit le match se disputer, on voit les commentateurs, on voit tout ça, et puis ensuite, après le match, on revient au vrai personnage, alors à nouveau le grand écran, et Billie Jean qu'on retrouve au vestiaire en train de pleurer, mais ça, c'est la vraie Billie Jean dans sa vie personnelle. Good evening. Thank you for bringing this story to life. I was not aware of this event before the movie, so thank you for that. I was wondering what the personal effects of the event had on both of your lives or your parents' lives at the time. Maybe you have stories about that. On va traduire. Oui, la question était comment le spectateur nous dit qu'il ne connaissait pas cet épisode de l'histoire américaine et quelles ont été les incidences de cet événement sur leur vie, sur celle des réalisateurs et de leurs parents, peut-être la génération précédente, puisqu'elle était peut-être plus en âge de la voici. I have to be honest, I didn't watch the match. Neither one of us watched the match. We were teenagers and we were having fun. It was, we don't need to watch that. However, Bobby Riggs was on the cover of Time magazine. And that, in our family, meant that this was important. And then, of course, over the years, we've come to really understand. And, of course, today, now more than ever, we understand how important the match is. We were very aware of the women's movement, which was, you know, fairly big and you know, on the news, and you know, we felt that, and it felt like it was a very positive time for women. But I think this match didn't feel like a serious event to us, like, or at least in my family. My mother, who was fairly active in politics, it didn't mean anything. You know, I think she thought it was a bit of a joke, but it's, like he said, it's taken on greater significance over time in retrospect because of who Billie Jean has become.
Alors, je dois vous avouer, enfin, nous devons vous avouer que ni l'un ni l'autre n'avons vu de match à l'époque. Nous étions des ados, nous nous amusions, mais pour nous, ce n'était pas ça qui comptait. Et cette histoire nous passait par-dessus la tête. Il faut quand même reconnaître que, peu après, Bobby Riggs a fait la couverture plutôt de Time Magazine. Et dans notre famille, c'était quelque chose d'important. On savait que si il était sur Time, c'est que c'était un personnage, ou en tout cas un événement important. Et donc ça a commencé à nous rentrer dans la tête. Et c'est avec le temps qu'on a pu comprendre comment on a pris conscience de l'importance de l'événement, mais effectivement pas sur le moment. Nous étions conscients de ce qui se passait. C'était une époque passionnante, c'était un moment de libération de la femme qui, à sa façon, aux États-Unis, qui commençait à se déployer. C'était un moment très positif, justement, pour les femmes. Mais franchement, dans ce contexte-là, même dans ce contexte-là, ce match ne paraissait pas très sérieux. Enfin, c'était comme une espèce de grosse, une vaste plaisanterie. Même dans la famille, on ne pouvait pas ça au sérieux. Ma maman faisait la politique, mais elle ne prenait pas ça pas très au sérieux. Mais c'est effectivement plus tard que, rétrospectivement, on a pris conscience de l'importance qu'avait quand même eu ce match. C'était une espèce de tournant dans l'histoire, et surtout parce que par la suite, le Jean a été ce qu'elle a été le rôle qu'elle a joué. Alors, merci pour le film. J'avais une petite question plutôt technique, savoir un peu comment vous êtes séparé de travail, que ce soit en préparation ou sur le tournage, vu que vous êtes deux réalisateurs et que ça n'arrive pas plus personne. We don't really split the work, we both do everything, and we've worked our entire careers together. So I guess I would say that we have, there's gender equality. We both do the same amount of work at the same pay, and we work together really well. We enjoy working together and you know, having a constant dialogue about every decision. So it probably takes us longer because we have to talk about everything. En fait, sur ce plan-là, il n'y a pas de répartition, toi tu fais ça, moi je fais ça. Nous faisons tout tous les deux. Donc, c'est un travail entièrement commun. Et d'ailleurs, toute notre carrière, nous l'avons faite ensemble. Et alors, de ce point de vue-là, nous sommes un modèle de l'égalité homme-femme parce qu'on travaille autant, on fait les mêmes choses, on touche à les mêmes choses. Et c'est du fait, c'est vrai qu'on parle de tout, donc ça prend plus de temps pour tout faire. Mais c'est ça qui est formidable, parce que chaque objet, chaque question est traitée ensemble, enfin, on voit tout ensemble, et c'est un projet véritablement. Bonsoir. Tout d'abord, encore merci pour le film. J'aurais voulu revenir sur la question du temps d'écran des acteurs, parce que pour ma part, quand le film a débuté, j'avais vraiment l'impression que le film cherchait une égalité dans l'arc narratif et des mastones de Steve Carell. Mais au final, c'est vrai que plus le film avance, plus Steve Carell devient secondaire et Emma Stone devient la vraie héroïne du film. Et je voulais savoir si c'était de base dans le scénario, si vous aviez retravaillé ça, peut-être au montage, si le scénario, si le personnage d'Emma Stone s'était imposé de lui-même. We spent a long time working on the script to try and weave these different stories together, the love story, the political story, the sports story, and we continued at every stage, production and editing, just trying to get it right. So it was that was the most challenging part of the story, was having to combine so many different genres. We had about four scenes that we shot, we trimmed a lot. C'était, alors ce n'était pas un calcul délibéré et minutieux pour savoir exactement combien de temps chaque personne passerait à l'écran, etc., pour avoir le résultat final. Le premier travail se faisait en amont, surtout. On a beaucoup, énormément travaillé sur le scénario, parce que c'était vraiment ça le matériau principal du tout. On voulait absolument pouvoir combiner de manière naturelle tous les brins différents de cette histoire, l'histoire d'amour, le côté enjeu politique, la dimension purement sportive. Et ça a continué. Enfin, cette préoccupation nous a mené tout au long de la production du film. Enfin, la production
même le montage. À chaque instant, c'était ça notre priorité, c'est de faire un ensemble qui se tienne bien. Et par voie de corollaire, le timing a suivi. Mais ce qui était effectivement le plus difficile, c'était justement de pouvoir trouver le juste équilibre à tout moment. On a pratiquement tout gardé. Il y a 4 scènes qui ont été purement et simplement retirées, puis tout le reste, on a dû effectivement un peu les réduire pour que ça tienne, etc. Mais c'était en gros ce travail d'équilibrage, de calibrage qui était le plus dur à faire pour assurer l'intégralité et la cohérence. Merci beaucoup, merci pour la qualité de vos questions. Merci à vous.